Hello tout le monde! J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que c'est bientôt Pâques. Et du coup, j'ai décidé de vous proposer un contenu en rapport avec cette fête. Pâques, c'est souvent problématique lors d'une perte de poids puisqu'il y a le chocolat. À moins que vous n'aimiez pas ça, sinon c'est souvent très difficile de résister et les tentations sont partout. Que ce soit dans les magasins, les publicités, vos enfants qui mangent plein de chocolat pendant Pâques, mais aussi vos amis, votre famille qui vous offrent des chocolats. En tout cas, c'est très difficile d'y échapper. Et si vous êtes gourmand de chocolat comme moi, on sait que c'est très difficile de résister. Bien souvent, on commence par en manger un et on n'arrive plus à s'arrêter. Il faut l'avouer, c'est vraiment addictif le chocolat. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais justement vous montrer qu'il est possible de consommer du chocolat, mais raisonnablement, de façon à ne pas ruiner tous vos efforts lors de votre perte de poids ou tout simplement pour éviter de reprendre du poids pendant Pâques. Et évidemment, toutes ces astuces et ces conseils peuvent s'appliquer tout au long de l'année puisque le chocolat, il y en a toute l'année. Mais c'est vrai qu'au moment de Noël et de Pâques, on a tendance à en manger un peu plus. On va également parler du repas de Pâques, puisque si vous le fêtez en famille de façon traditionnelle, dans ce cas, vous devez être habitué au fameux gigot d'agneau qui revient souvent sur nos tables, au moment de Pâques en tout cas. Et on sait que l'agneau, ça fait partie des viandes grasses. Du coup, je vais vous donner quelques astuces pour préparer un repas de Pâques un peu plus léger. Mais bien sûr, ça restera gourmand, ne vous inquiétez pas. Dans cette vidéo, je vais également vous proposer une recette de moelleux au chocolat que vous pourrez proposer en dessert lors de votre repas de Pâques. J'espère en tout cas que ma vidéo vous plaira. Donc c'est parti pour mes conseils et mes astuces. Alors, mes premiers conseils et astuces vont concerner le fameux chocolat. Alors moi, personnellement, j'adore le chocolat et je vous avoue que c'est assez compliqué de me contrôler quand j'en ai juste devant moi. Mais toutefois, si vous souhaitez maintenir votre poids et ne pas ruiner tous les efforts fournis pour perdre vos kilos, il vaut mieux rester raisonnable, mais rien ne vous empêche de vous faire quand même plaisir. Et je vous assure qu'il est possible de consommer du chocolat pendant Pâques, même si ce n'est pas du chocolat noir, et que vous en consommez plus que d'habitude. Mais pour ça, il faut user de stratégies pour pouvoir rester raisonnable, mais sans vous frustrer. Donc mes astuces pour rester raisonnable avec le chocolat, c'est tout simplement de vous limiter à une quantité que vous décidez de consommer dans la journée. Par exemple, si vous décidez de manger du chocolat sous forme de tablette, vous pouvez très bien vous limiter à 2 carrés par jour. N'oubliez pas que Pâques, c'est qu'une fois dans l'année, donc même si vous consommez plus de chocolat que d'habitude pendant cette période, c'est vraiment pas grave du tout. Dites-vous qu'après, il n'y aura plus autant de chocolat, donc vous pourrez reprendre une alimentation normale. On dit souvent qu'on n'a qu'une seule vie, donc il faut en profiter. Alors si vous adorez le chocolat, je vous conseille de ne pas vous en priver. Il n'y a rien de pire que la restriction alimentaire puisque ça engendre de la frustration et dans ce sens, vous risquez de craquer deux fois plus que si vous vous étiez accordé le plaisir de manger du chocolat. Donc si vous savez que vous aurez votre dose de chocolat par jour, ça vous permet psychologiquement de ne pas en abuser et de vous contenter de votre quantité de chocolat autorisée dans la journée. Donc s'il ne s'agit pas de tablettes de chocolat et que vous ne pouvez pas décomposer ça en carrés de chocolat, dans ce cas vous pouvez aussi peser une quantité de chocolat, que ce soit une poule, des œufs, les grands œufs Kinder ou des chocolats comme les fritures, les petits lapins, etc. etc.
Vous pouvez donc en peser une quantité et vous l'autorisez une fois dans la journée. Donc je vous conseille également de réfléchir à quel moment de la journée le chocolat vous procure le plus de plaisir. Par exemple, moi j'adore consommer du chocolat le soir. Et je sais que beaucoup de personnes sont comme moi. Le goût du chocolat sucré, c'est assez réconfortant et personnellement, j'adore en manger le soir, au cours de la soirée bien souvent. Donc voilà pour le chocolat, mais ce que je souhaite que vous reteniez, c'est surtout qu'on peut se faire plaisir tant que c'est raisonnable. Pas besoin de se frustrer en se privant, parce que je vous assure qu'il n'y a rien de pire et que c'est souvent l'origine d'une reprise de poids. Donc par pitié, ne vous privez pas. Le secret, c'est justement de pouvoir manger de tout, mais dans des quantités adaptées. Donc ensuite, concernant le repas de Pâques, si vous fêtez ça convenablement, vous allez certainement vous retrouver face à un repas avec apéritif, entrée, plat principal, fromage et dessert, plus de l'alcool éventuellement. Donc ici, je vais vous donner quelques astuces pour limiter la casse. Pour cela, on peut très bien élaborer un repas un peu plus léger que le traditionnel gigot d'agneau, tout en faisant en sorte que ça reste festif et gourmand bien sûr. L'objectif, c'est de ne pas s'en rendre compte et pourtant qu'il y ait moins de calories dans l'ensemble du repas. Donc je vous ai élaboré tout un repas de l'apéritif jusqu'au dessert, sachant que je vais vous donner la recette du moelleux au chocolat léger que vous pourrez accompagner d'une petite glace à la vanille ou aux fruits. Mais avant de s'attarder sur le dessert, je vous propose de découvrir l'apéritif slash entrée pour votre repas de Pâques. Alors, il est tout à fait possible de réaliser des chips faites maison et c'est très facile, je vous assure. Donc, notamment, je vous propose une recette de chips de pommes de terre. Donc, voici la recette. Je vous l'ai écrite pour que ce soit plus simple. Mieux vaut proposer des chips faites maison que d'acheter de l'industriel bourré de sel et de matière grasse. Là au moins vous contrôlez ce que vous mangez. Toujours pour la partie apéritif, je vous propose de réaliser des petits toasts de Saint-Morey et de thon. C'est très très simple, donc je vous montre tout de suite la recette. Donc on commence par éplucher un oignon blanc et ensuite on va venir l'émincer finement. Pour cette recette, on va utiliser seulement une moitié d'oignon blanc. Ensuite, on va émietter une boîte de thon au naturel. Donc dans un saladier, on va y mettre le thon émietté, le demi-oignon blanc et on va y ajouter 2 cuillères à soupe environ de crème fraîche légère ainsi que du Saint-Morey léger. Il est à 8% de matière grasse celui-ci. Ensuite, on y ajoute du sel, un petit peu de poivre et enfin un peu de ciboulette. Et on mélange bien tout ça. Ensuite, on va toaster des tranches de pain de mie complet pour qu'elles soient grillées. Et maintenant, on va venir couper nos tranches de pain en 4 pour que ça puisse former 4 petits toasts. Et vous répétez l'opération autant qu'il faudra pour avoir suffisamment de petits toasts. Ensuite, il vous suffit tout simplement de venir tartiner vos petits toasts avec votre préparation précédente.
Et voilà le résultat. Ensuite, sur la table de Pâques, vous pouvez disposer des petites tomates cerises, des olives, mais aussi quelques fruits à coque comme des amandes, des noix de cajou. Attention bien sûr de ne pas en abuser puisque c'est très calorique, mais ça reste un apéritif sain et gourmand. Mais l'objectif aussi, c'est de ne pas se goinfrer au moment de l'apéritif, sinon en général, on a déjà plus faim au moment du plat principal. Et dernière petite recette, plus pour une entrée, mais vous pouvez le proposer à l'apéritif. Il s'agit d'un flan de carottes. Donc pareil, je vous ai écrit la recette. Donc vous pouvez faire pause pour la noter ou pour faire une capture d'écran. Vous allez voir, c'est une recette toute simple et c'est super bon. Et mieux vaut manger ces petites choses plutôt que d'opter pour des rondelles de saucisson ou des petits dés de fromage ou encore des petits gâteaux apéritifs qui sont bourrés d'additifs, de sel et de matières grasses. Donc vraiment, on va éviter de consommer ce genre de produits. Ensuite, pour le plat principal, je vous propose de cuisiner une cuisse de dinde, sachant que c'est pas très compliqué à faire et c'est beaucoup moins calorique que le fameux gigot d'agneau. Vous pouvez la piquer à l'ail par exemple, moi j'adore manger ça, c'est vraiment super bon et ma maman le fait trop bien. Vous mettez ça au four avec un tout petit peu d'huile d'olive et c'est juste parfait. Vous pouvez accompagner votre cuisse de dinde de pommes de terre au four. Donc vous mettez ça avec la cuisse de dinde dans le four. Vous allez voir, c'est super fondant et c'est vraiment trop bon. Et bien sûr, une portion de légumes. Donc pour ça, vous pouvez proposer des carottes ou alors des haricots verts. Je trouve que c'est ce qui va le mieux avec la cuisse de dinde et les pommes de terre. Et c'est de saison. Et puis vous pouvez accompagner le tout d'une petite sauce aux champignons. C'est très facile à faire. Donc personnellement, je vous conseille d'utiliser de la crème légère et des petits champignons de Paris. Vous assaisonnez ça avec des épices ou des aromates de votre choix, du sel, du poivre et c'est super bon. Et voilà un repas complet de Pâques qui est gourmand mais qui toutefois est limité dans ses calories. Vous pourrez donc vous faire plaisir, mais aussi faire plaisir à vos invités sans que ça empiète sur votre perte de poids. Ensuite, vous pouvez proposer une salade avec un petit morceau de fromage. Et puis pour le dessert, je vous propose donc un moelleux au chocolat léger. Et pour cela, j'ai réalisé la recette avec vous en vidéo. Donc je vous laisse tout de suite découvrir ça. On commence par préchauffer le four à 190 degrés. Sur le feu, on va mettre un fond d'eau dans une casserole. Et à ça, on va venir y ajouter 200 g de chocolat noir pâtissier. Et on mélange pour que ça fonde doucement sur feu doux. On y ajoute une cuillère à soupe d'huile ou une cuillère à soupe de beurre, c'est comme vous voulez. Alors là, il y a eu un petit bug quand j'ai filmé, je suis désolée, mais on ajoute 2 œufs, une cuillère à soupe de farine et 1 à 2 cuillères à soupe d'édulcorant. Donc à l'occurrence, j'ai utilisé de la stevia en poudre et on mélange bien tout ça. Ensuite, on verse le tout dans un moule en silicone ou alors recouvert de papier sulfurisé. Et le mieux, c'est d'utiliser un moule à manquer. Faites pas comme moi, sinon ça va être tout raplapla. Et on saupoudre de noix de coco râpées. Et on enfourne pendant 20 minutes à 190 degrés toujours. On vérifie que c'est cuit en plantant un couteau. S'il ressort propre, c'est que c'est cuit.
Et voilà le résultat. Maintenant, on le laisse refroidir, puis on va le placer minimum 2 heures au frigo pour obtenir un résultat de fondant au chocolat. Vous pouvez l'accompagner d'une glace, mais sinon vous pouvez opter pour des fruits. Alors, même si on a réussi à limiter le nombre de calories dans l'ensemble du repas de Pâques, tout n'est pas encore gagné. Puisque bien sûr, si vous abusez des quantités, ça ne vous empêchera pas de prendre du poids. Alors bien sûr, il faut vous faire plaisir, c'est un repas de fête. Mais nul besoin de se goinfrer et de se retrouver avec des difficultés à digérer, des maux de ventre, des ballonnements ou des soucis de transit. Tout ça parce que vous avez juste abusé des quantités alors qu'en soi le repas était juste parfaitement équilibré, gourmand mais sain. Ce serait dommage quand même de ne pas profiter des avantages de ce repas plus light juste parce que vous avez trop mangé. Donc pour rester raisonnable, je vous conseille concernant l'apéritif de manger un petit peu de tout, mais de faire attention aux fruits à coque ainsi que les olives et les petits toasts au thon. C'est à limiter. Donc vous mangez un petit peu de tout, mais une seule fois, ça suffira. Ensuite, pour le plat principal, vous prenez environ 100 à 150 g de dinde, puis environ 100 g de pommes de terre. Et au niveau des légumes, c'est à volonté. Pour la petite sauce, vous prenez quelques cuillères, mais vous ne vous resservez pas. Et on évitera de saucer avec du pain, puisque n'oubliez pas, le pain, c'est des féculents. Donc si vous avez déjà mangé des pommes de terre, ça va faire doublon. Donc prenez un petit peu de pommes de terre et un petit bout de pain si vraiment vous tenez à saucer votre assiette une fois que c'est terminé. Mais sinon, vous choisissez uniquement des pommes de terre. Concernant le dessert, vous prenez une petite part avec une boule de glace et tout se passera bien. Également, pour éviter d'abuser des quantités, essayez d'écouter les sensations de votre corps. Lorsque votre estomac vous fait sentir qu'il est rempli et que vous n'avez plus faim, dans ce cas, écoutez-le. Ne continuez pas à manger si vous n'avez plus faim. Surtout qu'il faut garder un peu de place pour le dessert. Donc écoutez votre satiété lorsqu'elle intervient. Bon, je vais rien vous apprendre si je vous dis que dans n'importe quel repas de fête, en général, il y a toujours de l'alcool. Donc ça, c'est pareil, il n'y aura aucun problème si vous restez raisonnable. L'alcool, c'est du sucre, donc automatiquement, ça fait monter le nombre de calories très rapidement, mais aucun problème à en boire un ou deux verres pendant le repas. Donc restez raisonnable, n'allez pas boire 4-5 verres et alternez avec un peu d'eau entre chaque verre. 2 verres d'alcool, ça me semble très raisonnable. Ça vous permet d'en consommer et d'apprécier ce plaisir tout en restant raisonnable et en ne ruinant pas vos efforts. Donc pour l'alcool, sachez que ça déshydrate énormément. Donc pour un verre d'alcool, je vous conseille de compenser avec 2 verres d'eau. Donc si vous buvez 2 verres d'alcool, ça fera donc 4 verres d'eau. Mais bien sûr, vous continuez à consommer vos 1,5 litre d'eau minimum par jour. Mais lorsque vous buvez de l'alcool, il faut encore plus, davantage, consommer de l'eau. Et si vous voulez éviter les maux de tête, c'est le meilleur moyen. L'eau, c'est la vie. Maintenant, on va parler du après-repas de fête. Bien souvent, on a envie de compenser nos excès en mangeant moins par la suite ou en faisant une petite détox, pensant que ça va aider à éliminer nos kilos. Alors oui, bien sûr, lors d'un repas de fête, on a tendance à manger plus salé, plus sucré, à boire un petit peu d'alcool ou à abuser des petits fours à l'apéritif. Donc c'est tout à fait normal d'afficher une petite prise de poids le lendemain matin sur la balance. Mais justement, c'est une erreur d'aller se peser un lendemain de fête. Vous vous doutez bien que vous n'aurez pas perdu de poids et que c'est tout à fait normal de prendre du poids. Et il ne s'agit pas
forcément d'une prise de masse graisseuse. En moins de 24 heures, c'est pas possible que ça se transforme en graisse. Ce que vous voyez sur la balance, c'est surtout de la rétention d'eau. Et c'est juste parce que vous avez mangé plus et plus salé. Vous n'avez pas non plus eu le temps d'éliminer tout ça aux toilettes, donc c'est normal d'être plus lourd sur la balance. Donc à part pour vous ruiner le moral dès le matin, je vous assure que ça ne sert à rien de vous peser un lendemain de fête. Attendez quelques jours le temps que votre corps puisse tout éliminer et retrouver votre poids habituel. Et pour retrouver votre poids habituel, inutile de modifier vos habitudes alimentaires, il suffit de reprendre votre plan habituel avec des repas équilibrés du matin au soir, avec éventuellement des collations lorsque vous avez une petite faim. Continuez à équilibrer vos assiettes avec des protéines, des féculents et des légumes verts à volonté. Un ou deux produits laitiers par jour, ainsi que des fruits frais ou des compotes sans sucre ajouté. Toujours une source de matière grasse à chaque repas. Et bien sûr, hydratez-vous bien tout au long de la journée. Ça, c'est vraiment super important. Et vous allez voir que tout va rentrer dans l'ordre. Les quelques centaines de grammes pris suite à votre fête de Pâques vont s'envoler comme par magie. Et pourtant, vous ne vous serez pas privé, vous aurez mangé normalement comme d'habitude, car votre organisme a la capacité d'éliminer les excès par lui-même. Bien sûr, c'est à condition que vous ne continuiez pas à faire des excès par la suite. Mais si vous reprenez une alimentation normale, logiquement, il va tout éliminer tout seul, sans que vous ayez besoin de faire des efforts supplémentaires. Alors si vraiment vous avez abusé pendant le repas de Pâques, dans ce cas, évitez de vous goinfrer de chocolat les jours qui suivent, puisqu'évidemment, ça risque de vous refaire prendre du poids. Mais vous pouvez toutefois manger un petit peu de chocolat, tant que c'est raisonnable. Et mon dernier conseil, c'est tout simplement de profiter et de vous faire plaisir. Je vous le redis, Pâques, c'est comme Noël, c'est qu'une fois dans l'année, donc il faut en profiter. C'est un moment convivial avec votre famille et ou vos amis, où on se fait plaisir, on mange de bonnes choses, on partage avec nos proches. C'est le début du printemps et donc je vois pas pourquoi on se frustrerait en ne se faisant pas plaisir. Cette vidéo, c'était vraiment pour vous faire comprendre que perdre du poids ne signifie pas se frustrer, se priver. Il faut se faire plaisir. Et c'est le secret de la durabilité d'une perte de poids. J'ai perdu 33 kilos en me faisant plaisir toutes les semaines. Et pourtant, je perdais 1 kilo de façon hebdomadaire. Comme quoi, c'est tout à fait possible. Donc n'allez pas vous culpabiliser parce que vous vous faites plaisir et que vous mangez des choses qui vous plaisent. Même si vous abusez un petit peu trop du chocolat ou du repas en lui-même de Pâques, même si le repas n'était pas allégé, reprenez une alimentation normale pour les jours qui suivront. Vraiment, faites-moi confiance, je vous assure que tout le surplus sera éliminé. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura permis de réaliser que vous pouvez vous faire plaisir même pendant Pâques, que rien ne vous empêche de manger du chocolat et de faire un bon repas de Pâques en famille, sans pour autant ruiner tous vos efforts de perte de poids ou tout simplement ne pas reprendre du poids juste à cause d'un événement tel que Pâques. En tout cas, j'espère vous avoir donné quelques outils pour bien gérer votre fête de Pâques et surtout vous empêcher de culpabiliser juste parce que vous avez mangé un peu plus que d'habitude ou abusé un petit peu du chocolat. C'est tout à fait possible de bien gérer ça et je suis sûre que vous en êtes capable. Donc faites-vous confiance et sur ce, je vous souhaite de joyeuses fêtes de Pâques. Profitez bien! Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye !